Jeudi, c'est jeudi, la vie va, et jeudi 22 février 2024. Et bonjour, bonsoir Haïti, tous les amis compatriotes, toutefois accès collaborateurs et qui connectent nous dans tous les départements pays. Bonjour, bonsoir à la diaspora, toutes fans inconditionnels et capsules tout partout dans le monde. Là. Bonjour, bonsoir fanatiques, bonjour, bonsoir internautes, toutes fidèles branchés, plateforme ça. Moi content ensemble avec vous sur la caillou, notre travail dans la rue, quel que soit côté ou à suivre channel ça. Moi saluer, c'est un coquet plaisir qui m'a connu en de Fokem. Et pour montrer la caillou, pour nous partager avec nous toutes nouvelles, toutes informations qui a bouleversé la ville et pays d'Haïti ou à l'étranger. Namiko, c'est toujours serviteur aux amis, merci Dieu, toute équipe là à la ronde, badé déjà mobilisé. Nous portons pour le journal Mega Matin. Mega, c'est Pigo Réseau Radio Haïtien de Soulaté Béni avec staff nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. WebTV, Radio Mega, Go Radio 1, l'IFE 5. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Mega Matin. Premier journal Radio Mega qui passe sur le réseau Radio Mega dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride, là, dans les États-Unis. Jeudi 22 février 2024, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans la quatrième parette journal Mega Maté. C'est un plaisir pour nous capables de porter un journal là pour quel que soit côté où il est. Dans le monde là, journal ça, c'est grâce avec toute équipe Salle Nouvelle là, qui permet de rentrer la caillou. Marcel Joseph, c'est lui-même qui a viré bouton yo. Micro-présentation, moi-même Jean-Roulet, c'est avec Daniel. Bonjour messieurs. À mon moment, pas changer, c'est avec un pile plaisir de rentrer la caillou, tout partout dans le monde là pour porter journal. Mega Maté la caillou. Neg Axamata qui est une autre fois encore base Boyd qui sous fond national à mercredi malgré résistance à Jayo, plusieurs babna population blessée, plusieurs cailles pillées. Zakia kidnapping a continué à faire parler de yo en pays à bandit kidnappé au moins des mouna hier mercredi à la babé de choses là. Yon Zak représailles après antenne bandit qui était tombé dans même bloc ainsi là. C'est dans la localité des Amapil dans mon lien coup cap couille pour bandit vin la guécoyo. Pasteur Joseph Odanis qui logeait quelque dans mon salle m'a dit autorité yo. Pour contrôle commune ça pour habiter au carré tourner la caille. On a un rapport qui est RMDH publié yo rivété c'est pas que sécurité à sous citoyen yo donc il faut faire cité soleil qui en belle majorité citoyen aussi bien action gang yo soit yo perdu un parent et puis famille victime viol collectif. OK la pouvait tout bandit bataille pour contrôler territoire qui gain richesse tant qu'au marché public à l'autre business citoyen demandé autorité pour contrôle zone ça yo pour la vie carré prend normalement. Malgré le terrain public depuis 25 janvier, hier mercredi, à paquet Port-au-Prince recevoir ordonnance sur assassinat Jovenel Moïse, la batterie avocat cap défendre Martine Moïse. Yo. Il terrain yon dans paquet, il arrive confirmer documents, il arrive dans greffe la vie. Pour mettre Mario Joseph ordonnance à confirmer ça, le coup d'État 7 juillet 2021, un coup d'État PHTK oligarque ak américain yo, pour qui ça document ça pas touché si là qui finance Zak là. C'est en simple question responsable avocat international la pose. Constatou gagné ULCC li annoncé deuxième édition journal déclaration patrimonio 29 février capé vini là dans sens ça ULCC invité toute personnalité concernée au débat qui vient rempli formalité ça. Le son national cap défend doit mounio écrit paquet au cas pour relancer dossier contre ancien sénateur Guy Philippe là pour attaquer qui était fait contre commissariat au cas là dans l'année 2016. C'est un acte criminel qui doit finir selon la loi d'après qui doit finir selon la loi d'après Pierre Espérance. Dossier éducation a bien pour nous un journal jeudi a gagné un recteur à l'université l'état de tête collé avec Académie Créole là célébré un journal international langue une maman hier mercredi a un baptême intégration là
langue créole dans la justice recte UEH l'a rappelé. Importance et utilisation créole dans la société haïtienne. Là. C'est pour ça qu'il y a diverses autres qui prennent le fait essentiel jour à la bataille. Mais pas oublier, n'a pas pour traverser avec. Mesdames, c'est même exercice là. Nous prenons le permettre de connaître combien de droits besoin pour capable acheter un dollar américain. N'a pas pour nous porter pour week-end. Capsule santé, rebranché, n'a pas tourné. En direction Fort National. Fort National, t'es grand pile coup de balle qui t'a chanté dans le parage à Sainte-Ville à Port-au-Prince. Hier après-midi, selon Soucio, qui t'a parlé avec équipe radiographie, Thierry, ses œuvres, Nera Xambele, qui t'a tenté Simé Pagay, La Pérez, dans Fort National. Riposte, agent, brigade, opération, intervention départementale, Boyd, qui gagne base dans Fort National. Eh bien, il était riposté rapide selon Soucio qui parlait déjà plusieurs mouns qui malheureusement sont blessés à balle dans la population. Nous, on peut venir avec l'autre information. Nous prenons des armes avec un nouvel lieu. Eh bien, il y a une situation de sécurité qui est à Ebanda dans la commune Liankou. La cause divers timouns qui ont parents à réfugié dans des armes qui sont dans la commune Verrette. C'est Pasteur Joseph Odalis, responsable de la société chrétienne d'Haïti, qui logeait plusieurs victimes. Ça y est aussi, tout Timounio, la Kaili, leader évangélique, l'a demandé l'État prend responsabilité pour garantir plus bonnes conditions la vie. Pour moun sa yo, qui pas carrété vivre la Kaio, cause nèg avec ZAM, qui a opéré tout partout dans le département la Timounite là. Joseph Odanis, c'est responsable société chrétienne d'Haïti. Il t'a parlé dans le micro Radio Méga, n'a pas écouté. Situation vraiment difficile, je trouve qu'on est là. Ça, spécialement dans la zone là, c'est vraiment très difficile, très compliqué. Mais on connaît au prix de cas sacrifices, nous, comme on peut là pour nous, pour un café avec Timonio, Timonio, Felinaio, et Mondo, aider dans l'activité sociale, dans l'école, dans le petit coup de main là, on a pris un café, mais là, très difficile. Ça veut dire même au pays là, nous, on a pris un café. On connaît d'habitude qu'on prend des Timon qui parlent, pas capables de avec eux, pour aider eux. Donc, est-ce que c'est toujours le même travail ça qu'a fait dans le moment où on a pu parler là? Au contraire, voilà, même avancé parce que nous avons plus de parents qui sont en difficulté. Nous avons plus de parents qui perdent la vie, soit dans Port-au-Prince, ou tout le monde dans Liankou. Et ça permet de garder plus de Timon nous ici pour nous aider. Donc, travail à venir plus difficile dans le nous avons plus de monde. Voilà, nous sommes là avec Pasteur Odanis Joseph, lui-même qui ensemble avec nous. Nous fait ça comme ça plutôt Masso. Est-ce que vous savez le prendre en direction des âmes? Oui, appelle la caillou, au contraire de ce monde à l'école là. Pourquoi nous avons l'école pour tout ce monde qui a des difficultés? Et après ce monde, pour qu'il a l'école là, nous avons tout ce monde pour nous qui est bégé. Voilà, vous avez écouté la déclaration Pasteur Joseph Odanis, lui-même, lycée responsable Société chrétienne d'Haïti, l'IT Palais, Namiko Radio Mega, côté le fait quoi, situation et sécurité qui a régné
mettre dans lien cours à la cause de divers timoun ak paran yo al prend refuge dans des âmes. Nous avons gagné pour nous retourner dans des âmes avec Oanso Jules, mais avant même ça, nous prenons aller dans la rue avec différents autres collaborateurs nous yo même qui continuent à permettre toute traverser. Mackenzie Belizier qui toujours fait Pétionville pour nous. Mackenzie, ou fait divers rues dans Pétionville là qui j'en sais pour matin. Bonjour. On peut venir avec Marie aussi Auguste du Sénat, lui-même qui parlait dans le nom RNDDH, Réseau National Cap Défense Droit Mounio, présenté résultat enquête sur un pack insécurité dans trois quartiers dans le pays, Kafou Fay, Bélé, Akir, Cité Soleil. Dans l'enquête, ça, RNDDH après une majorité, moun qui sibi action gang yo, takou, yo pedi parents ou bien proche, 26% femme yo, victime viol collectif et victime yo souvent reconnaître agresseur yo. L'enquête la montre tout bandit yo, a pas bataille pour contrôle territoire, il gagne richesse. Takou marché avec l'autre entreprise encore. En écoutez déclaration Madame Marie Rossi Auguste du Sénat. Premièrement, enquête l'a confirmé que violence armée c'est quotidien citoyen haïtien femmes ou garçons. Par exemple, 98% dans le monde que nous parlions avec eux fait nous connaître que guerre avec affrontement armé très fréquent dans zone côté à vivre là. 92% dans le monde ça yo subi violence déjà dans mes bandits, 32% perdu parents ou bien yon proche, il y a 26% qui c'est femmes yo même victimes viol viol collectif et faut que nous dit sous point ça particulièrement que 34% nan fòm ke RNDDH pale avèk yo nan kad anket sa, yo viktim viol et viol kolektif nan men bandi, se ke nou touve ki enorme. 57% nan moun ki repond a kestyonè RNDDH yo konen agresè yo. Et parmi si la yo ki di nou ke yo pa konen agresè yo, ye 40% ki kan menm di ke yo kapab bay informasyon sou ki gan que agresseur a fait partie de lui. Il y a 55% de répondants eux-mêmes qui victime agression dans mes bandits qui a opéré tout près la caillou. Donc ça montre nous que en fait bandits yo yo connu si et si la qui pas connu au moins des informations que la justice avec la police capable facilement joindre sous bandit ça. Deuxièmement, enquête la montre nous que des caractères attaque armée yo intérêt yo yo en pile. Gain 59% dans monde qui répond à enquête RNDDH là qui croit que bandit yo a goumé pour capable contrôler territoire. Et généralement, ils disent tout que c'est des territoires qui gagnent de grandes richesses ou bien qui baillent des opportunités financières. Soit par exemple, qui marchent là-dedans, soit par exemple, gagnent des entreprises financières là-dedans qui baillent l'argent et la trier. Gagnent 6% l'autre monde qui ont même quoi que et c'est des actes de vengeance qui font fait que la guerre faite dans la zone. Par exemple, et il y a un bandit qui a tué maman l'autre là, et donc ça qui gagne maman mourir, a décidé d'attaquer et la trier. Troisièmement, enquête l'a révélé nous que bandits pas cachés, population, communauté côté a intervenu, connaît yo et yo connoué yo a opéré avec des mineurs. 85% dans monde que nous poser question yo dit nous que bandi yo fait ça yo voulait ouvertement à visage découvert yo pas nan caché. Des 62% dans yo qui connaît de manière générale bandi qui a opéré dans zone bola kayo et 76% dans répondant yo dit nous que gagné des mineurs qui accompagné bandi yo les a commettre zak que y a commettre dans communauté yo. Quatrièmement, enquête la montre nous que population a vive moment la guerre avec moment la paix de manière différente. Gagne gros différence. 89% nan répondant nous, yo di nous que les gagne la paix, yo capable vaquer facilement à activité. C'est vrai que autorité l'État yo pas gagné en tout cas en présence, nous t'a dit nous pas parler de présence là un peu plus tard sous et dans quartier ça yo, mais au moins lorsque bandi yo pas tirer une sous l'autre, yo même dans population yo sorti, il y a le travail yo, il y a l'activité génératrice de revenus. Enquête la montre nous tout que femme avec tifi toujours en danger, peu importe moment qui est considéré. Et dans ce sens, 72% dans
répondants que nous rencontrons. Ils témoignent donc violence sous forme avec tifi, yo rivé fait pendant massacre, particulièrement viol collectif, mais c'est pas viol à viol collectif seulement que femme subi parce que yo assassiné et tout et même gens tout pendant viol yo avant ou après viol yo tout, yo calé au souvent. Mais gain 68% dans et répondants yo qui dit nous tout que même les gain la paix dans zone yo continuer violer femme yo avec tifi yo. Et 94% des répondants ont dit que les femmes ou bien les filles victimes de viol collectif dans trois quartiers que nous menons enquête là-dedans, les victimes ne sont pas capables de porter plainte contre l'agresseur. Voilà, amis auditeurs, t'as écouté l'intervention Marie-Rosie Auguste du Sénat qui t'a parlé sous enquête sa institution menée sous question impact insécurité dans trois quartiers populaires, t'as coup Cafoufeuille, Berlin, Cité Soleil, n'a toujours été avec une responsable NDDH qui fait qu'on est enquête la montré, l'État a abandonné citoyens dans zone ça parce que majorité monitoré yo fait qu'on est pas jamais voyons pas trop police dans zone ça, donc pas poste police 58% mon réseau a parlé d'accord la police capable impuissant face à gang mais en présence seulement t'es capable limiter des gars comme recommandation répondre demandé avec appui psychologique faut qu'autorité aussi suspende protéger bandits pour répondre contrôle quartier ça yo puis bay victime insécurité côté pour yo habitant côté Marie-Rosie Auguste du Sénat toujours dans micro Jean-Philippe Massia. Sixièmement, l'enquête l'a confirmé nous que l'État a abandonné quartier qui a subi violence régulièrement. 45% des répondants a vivent dans quartier qui n'a pas gagné un poste de police tout près. Pas gagné patrouille la police qui fait tout dans quartier ça. 84% des répondants a vivent dans quartier qui n'a pas gagné un office de l'État civil. Et d'ailleurs, dans ce sens, nous même jeunes des répondants qui disent nous pas même connaît à qui ça servit un office de l'État civil. 66% des répondants a vivent dans quartier côté pas gagné un tribunal de paix. Et 80% à vivre dans des zones côté pas gagner aucune autorité locale ou bien pas qu'on recevoir, pas qu'on gagner aucun notre contact avec une autorité locale. Ce qui montre nous clairement que autorité l'État est complètement délaguée, complètement quitté différentes zones ça qui a subi violence. L'enquête là démontre que population pas qu'à digérer justement le fait que autorité yo abandonné yo by bandit. Et dans ce sens ça, 58% dans le monde que nous rencontrons yo, yo dit nous que yo d'accord que la police, la justice, office de l'état civil avec juge de paix pas forcément capable de faire grand chose par rapport à ça que y a vivre en termes de sécurité, mais yo estimé que si yo était là ne serait-ce que yon présence dissuasive t'a capable aider yo et réduire zak violence que yo a subi dans quartier côté yo a vivre. Enquête là, septièmement, montrer nous que population, huitièmement, excusez-moi, population a vivre et difficilement. Et là, nous surtout à parler de conditions générales population. Sous plan la santé, par exemple, 79% des répondants a vivre dans des communautés qui ont gagné yon l'hôpital ou bien yon centre de santé. Cependant, ils ont dit que ni l'hôpital ni centre de santé ça yo yon fonctionné lorsque bandi yo autorisé yo fonctionner. Les pas gen la guerre, les problèmes insécurité, pas gen problème insécurité dans zone là et que yo capable de fonctionner. Sous ça qui gen à éducation, 87% des répondants ont dit nous que dans zone côté yo a vivre la guerre. L'école classique, 35% dit nous que gagne l'école professionnelle, mais 96% dit nous même bagay là, ni l'école classique ni l'école professionnelle yo rive fonctionner lorsque bandi yo autorisé pour yo fonctionner. D'ailleurs, puisque nous connaissons que ni pour l'hôpital, ni pour centre santé, ni pour l'école, généralement c'est des entreprises privées que yo fait état que gagne en pile nan yo qui déloger. Sous plan environnement, tout répondant que nous parlions avec eux, fait nous connaître que quartier Belay, quartier Cité Soleil, avec quartier Cafoufeuille a coulé en bas fatra. Quartier yo sale, yo gen mauvaise odeur parce que autorité yo pas jamais fait aucun effort d'assainissement. Soit accès à de l'eau, 75% des répondants ont dit nous que yo obligé acheter de l'eau pour yo servir, 96% ont dit que yo besoin acheter de l'eau pour yo capable boire. Soit accès à courant électrique, 61% ont dit nous à clair que EDH pas jamais bail au courant.
Mais au-delà de toute information chiffrée, ça, vous partagez quelqu'un avec nous pour nous montrer nous qui j'ai une situation compliquée dans la zone. Mais faut que nous disions que l'enquête là permet de nous aider de l'autre point qui est très important parce que et nous fait plusieurs entrevues et pour certains cas avec et des victimes. Et nous comprendre que souci insécurité, conditions inhumaines que nous avons vivre là-dedans, rendent nous très vulnérables. Voilà, vous avez écouté la responsable de RNDDH sur un rapport. Vous mettez dehors sur ZAC, la sécurité dans divers quartiers dans le pays. On peut quitter le dossier, ça, on avait venu dans le dossier qui y a, ouais, avec l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, là. Batterie avocat qui a défendu Martine Moïse, yo, Terranio, dans le paquet Port-au-Prince, mercredi 21 février 2024, là. D'après M. Emmanuel Gentil, visite ça, permet de arriver confirmer ordonnance juge Walter Wiesa Voltaire, sous assassinat président Jovenel Moïse, là. C'est jeudi, à l'arrivé, ça veut dire hier, l'arrivé dans le greffe paquet, là. Faut que nous rappelions dans le cadre d'ordonnance, juge Voltaire m'a dit arrêté et fermé dans la pénitentiaire nationale, ancienne première dame, la Martine Moïse, en attendant, il a jugé dans le tribunal criminel parce qu'il charge à 15 implication lieu dans Zakla, pesé loup. Après, passion info plus. On a toujours été sous même dossier, ça, pendant juge Walter Wiesa Voltaire, terrain public, ordonnance, le 25 janvier passé, c'est hier mercredi 21 février, paquet tribunal, première instance, à Port-au-Prince, recevoir documents, les dispositions qu'il prend pour capable enregistrer, dans l'archive paquet, on a noté mandat juge l'imprefait 26 janvier, qui s'est passé à là, ça qui était un peu le doute sous avenir ordonnance, juge Walter Wiesa Voltaire. Qui a perçu dossier assassinat. C'est le président Jovenel Moïse. Évidemment, Jean-René Sévère n'a pas toujours été le même dossier, ça. Nous parlions avec Mario Joseph, lui-même, qui parlait sur ordonnance, si là. Ordonnance qui sortit sous dossier Jovenel Moïse, là, consolidé, coup d'État 7 juillet 2021, déclaration coordonnateur BAI à Mario Joseph. Maître Mario révélé ordonnance à la fête contre partisan Jovenel Moïse. Avocat révélé plusieurs failles dans le document, ça, Takou Poukissa. Ordonnance à la Pabaye, qui équipe qui finance les crimes, parce que Zaksa, qui a coûté plusieurs millions de dollars. Assassinat Jovenel Moïse, la libre d'un pouvoir d'après avocat qui reconnaît un gros doute sous déclaration. Martine Moïse, yo, en côté maître Mario Joseph. Ordonnance à m'entendre, il vient consolider coup d'État 7 juillet 2021. On reprend pour nous mettre pour nous faire ça, nous la veille. Ordonnance à m'entendre, qui a parlé là, moi, l'île, m'entendre les commentaires, mais ordonnance à s'ordonner, il vient consolider le coup d'État du 7 juillet 2021. Dans qui sens? Moi-même, mon composition là, par une personne, on est Jovenel, me critiquer jusqu'à ce que même Israël parle mourir. Et pas pour moi, pas de bien élu, pour moi, son consulté PHTK. Monsieur, plus que ça, parce que j'ai l'impression, monsieur, pas monde. Et monsieur, mourir en rapé à lui. Il mourir mal, il pas mourir en monde. Il mourir tête en bas. Tête baissée. Mais cependant, c'est la mort, c'est l'assassinat de monde qui a fait des faiseurs de pouvoir pour mettre dans le pouvoir. Ça, c'est le scénario que nous vivons depuis après et la mort de Saline, mais ils ont monté pouvoir, descendre pouvoir, ranger pouvoir. Et si vous regardez, pour entrer dans le bois, et en ordonnance, bien, il y a une instruction d'avoir le fait à charge et à décharge, si on précise. Ça veut dire, vous tendez tous les deux parties, à charge et à décharge. Deuxièmement, ordonnance d'un doué, garder plusieurs pistes. Il doit gagner deux, trois, quatre pistes. Il dit, m'a l'en pis ça, m'a j'en ai. M'a l'en pis ça, m'a j'en ai. C'est là, m'a j'en ai. Même, trouver, et c'est une ordonnance qui fait contre les partisans de Jovenel. Parce que c'est tout le monde a comme surprise. Mais il va surprise. Parce que lorsqu'il y a un coup d'État, il faut un coup d'État lui-même, il faut le consommer. Pour le consommer, il faut que le monde qui a un coup d'État, il ne faut pas sentir qu'il est en prison. Bon, ça qui est allé, il prend un petit peu de saf, un petit peu de bagaille, qui est un peu de bois ici, qui a voué le monde devant.
nèg ta devant yo les États-Unis prend yo mais gagne l'autre nèg qui était qui là ordonnance n'a pas dit nous qui moun sa yo en plus nous connaît beaucoup de temps fait faut gagne l'argent dépensé qui moun qui dépense l'argent faut dépense l'argent qui moun qui baille l'argent parce que gagne avion prend bon yo dit pasteur pas un nous et parce que ça nous pas qui dit trop bon et Bouddha Chimelier dit monsieur a loué avion pour venir etc. Le cas est pour nous être ici. Il y a un côté qui va être comme ça. Ça veut dire, on ne s'en parle là, ça veut dire, c'est un comme des radeaux, manquant en vent le mois de Jean-Dominique. Les assassins sont dans l'air, oui. Assassins, je venais là, on l'a eu. Moi-même, d'a dit, on a le pouvoir. Assassins, je venais là, on a le pouvoir. Donc, on est bien avant, on ne s'en on s'en sorti. Vous avez des gens qui ont fait des sorties. Parce que c'est eux-mêmes qui coudent, qui taillent. Et vous avez des gens qui taillent et ordonnent ce qui est pour tirer. Qui est pour nous mettre? Parce que vous avez mis nos émotions. Ou madame qui tue Marie. On ne va pas avoir d'émotion. Moi-même, avocat, je ne vais pas avoir d'émotion. Je ne vais pas avoir d'émotion. Voilà, on a côté intervention maintenant. Yo Joseph, de l'autre côté maintenant.